Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Alors, que savez-vous à ce stade ? Java et les bases de la concurrence. On a également évoqué le partage de données sous conditions de concurrence, avec les notions de section critique, de synchronisation, le modèle producteur-consommateur, etc., etc. Et on a commencé à voir les moniteurs en Java. Qu'allons-nous bâtir sur tout cela ? Eh bien, on va voir les moniteurs, mais de manière avancée. C'est-à-dire qu'on va voir des mécanismes plus évolués, et en particulier à travers deux objets. Le premier, c'est Reentrant-Lock, qui est une implémentation assez fine des moniteurs et qui dégage un certain nombre de mécanismes qui étaient planqués dans les moniteurs purement Java et qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus proche des moniteurs dehors que ce que l'on avait simplement avec les outils qu'on avait vus dans la première semaine que nous avons consacrée aux moniteurs dans ce cours. Et puis il y a un autre objet qui est aussi une variante de moniteur, c'est ce qu'on appelle un réentrant read-write-lock, qui est extrêmement utile de connaître parce que c'est des mécanismes en gros où on va différencier les accès en lecture des accès en écriture. C'est des choses qui sont extrêmement utilisées par exemple dans les bases de données où on peut admettre que plusieurs données sont lues en même temps mais qu'une donnée n'est modifiée qu'à l'exclusion de toute autre modification d'une part et de lecture d'autre part. C'est l'idée. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire cette semaine et donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.